Comme brève présentation, je m'appelle Tina Ndiamana et je représente donc l'association Edis, une association des ingénieurs pour le développement des énergies renouvelables. Donc, c'est une association en Madagascar créée dans les domaines des énergies renouvelables. Pour des électrifications dans des milieux, principalement nous réalisons des études et travaux de construction des picocentrales hydroélectriques et sur la société ABS, qui est votre la société là. Au mois de septembre 2020, après avoir acquis notre premier abonnement, la société ABS nous a donné une formation à distance via Zoom sur l'utilisation du logiciel DLTCAD au mois de novembre 2020. Et puis après, cela nous a permis de simuler la partie mécanique d'un de nos premiers projets que nous avons traité avec le logiciel DLTCAD. Donc actuellement, nous sommes en cours de traitement d'un deuxième projet où nous utilisons le DLT4. Et en continuant, nous avons le plaisir alors de partager, d'échanger avec vous à travers cette interview ce qui concerne les réseaux électriques à Madagascar et en particulier les réseaux pour les électrifications rurales. Donc, ça, c'est une brève présentation de notre société. Pour les réseaux à Madagascar, du côté moyenne tension, basse tension et haute tension, concernant la fréquence, c'est toujours le 50 Hz qu'on utilise ici à Madagascar. Et au niveau des tensions, on parle de basse tension, des tensions moins de 500 volts que l'on utilise dans les réseaux nationaux. Où on utilise le 220 volts pour les installations monophasées et 380 volts pour les installations triphasées. Et deuxièmement, on parle de tension moyenne ou moyenne tension, MT. Ce sont des tensions comprises entre 500 volts et 50 000 volts. Et on utilise dans les domaines d'électrification rurale les 5,5 kV, le 15 kV, le 20 kV et le 35 kV. Et troisièmement, la haute tension, c'est donc des tensions supérieures à 50 000 volts. Et on les utilise dans les grandes lignes de transport d'énergie. Et ces tensions consistent les 63 kV, le 80 kV, le 138 kV et le 220 kV. Donc, ce sont les autres tensions utilisées à Madagascar. Cela dépend de la zone et cela dépend aussi de la longueur de la ligne de transport. Donc, si on a une longueur qui est plus faible, on a intérêt à utiliser le 5,5 kV, par exemple, ou le 15 kV. Mais lorsqu'on a une longueur plus importante, on a intérêt à utiliser le 20 kV. Ou bien le 35 kV. Donc, ce niveau de tension varie en fonction de la longueur des lignes à transporter et la puissance à transiter. En ce qui concerne le marché électrique, et plus particulièrement sur la génération, donc ici à Madagascar, les sources d'énergie les plus utilisées sont l'hydroélectrique et les thermiques. Comme chiffrage de ces utilisations-là, on utilise 24% de l'hydroélectricité et environ 75,9% des thermiques. Et maintenant, on commence à exploiter aussi des centrales solaires depuis il y a 5 ans ici à Madagascar. Comme grande centrale qui fonctionne à Madagascar,
Il a la centrale de 58 MW et la centrale hydroélectrique de Mandrak qui a une puissance de 25 MW et la centrale hydroélectrique de Sanifuchi qui a une puissance de 15 MW. C'est ça donc qu'on utilise à Madagascar actuellement. Parfait. Mais des projets sont déjà en cours pour des utilisations des sources solaires. Par exemple, on a un projet de. Non, ce n'est plus un projet, mais c'est déjà une installation solaire qui fonctionne et dont la puissance est 20 MW solaire sur la région de Vakhnakarach. En fait, les moyennes tensions et les hautes tensions sont des grandes lignes qui partent des centrales, qui partent des grosses centrales. Je vais dire qui partent des grosses centrales de production. Par exemple, la centrale d'Andikalik qui a une puissance de 58 MW. Une ligne de haute tension donc part de cette centrale-là pour arriver jusqu'à Antananarivo, la ville de Madagascar, la capitale plutôt, capitale de Madagascar. Et avec ça, la tension du transport monte, s'élève jusqu'à 138 kV et 63 kV. Et puis, il y a aussi les lignes d'interconnexion, comme par exemple la ligne qui part de la centrale de Sanivuti, qui a une puissance de 15 MW et qui mène vers Antananarivo. Ça aussi a une tension de 63 kV. Donc, les tensions moyennes et hautes donc, sont servies pour lier. En fait, on parle de réseau interconnecté pour lier alors les grandes villes. Toutes ces tensions hautes et moyennes là. Oui, en ce qui concerne la distribution, elle se réalise au moyen d'un réseau électrique basse tension ou moyenne tension. Donc, à Madagascar, il y a la société qui s'appelle Jirama, Jirama Malakas, qui s'occupe de l'alimentation des régions, provinces et des zones urbaines. Les électrifications rurales sont en majeure partie opérées par des opérateurs privés. Comme exemple, nous faisons partie des opérateurs privés qui s'occupent des électrifications rurales. Nous faisons partie aussi des opérateurs privés dans les domaines des électrifications rurales. Puisque depuis notre création, c'était en 2008, nous avons déjà construit et exploité 5 picocentrales hydroélectriques. Et jusqu'à maintenant, les sites fonctionnent bien. Et nous sommes l'opérateur qui exploite ces sites-là. Donc, à Madagascar, dans les milieux urbains, les charges électriques se concentrent surtout sur des zones industrielles, tandis que dans les domaines des électrifications rurales, les charges concernent principalement les ménages ou foyers, les petites et moyennes entreprises et industries, les commerces, les infrastructures et institutions. Au niveau des milieux urbains, c'est plutôt la capitale, la question rurale. Il y a les petites et moyennes entreprises, les décortiqueries, les machines à bois, comme ça, les ateliers qui utilisent des machines. Donc, la géographie, en parlant de géographie et de conditions environnementales, sur chaque zone du pays possède des conditions environnementales et elles sont différentes sur chacune. Ici à Madagascar, comme conditions environnementales, il y a la pluie, les vents, et puis
Oui, il y a aussi en termes de géographie, là, le relief qui varie. Donc, à chaque projet, il faut toujours collecter des données sur chaque zone là, sur chaque zone là, qui est concernée. Puisqu'il y a des années où des cyclones ont passé ici à Madagascar. Et nous avons donné juste donc là on a comme exemple le cyclone qui s'appelle la Kamish qui est passé en 1984 avec une vitesse de 200 km à l'heure. Donc ça c'est un exemple de vitesse cyclonique qui est passé ici à Madagascar. Donc en parlant de normes, en ce qui concerne la distance de sécurité, qui est particulièrement dans des lignes de moyenne tension, on a 5 mètres le long des rues principales et au traversier des terrains vagues ou du domaine public ou privé, boisé ou non. Et puis on a 6 mètres au traversier des voies de circulation publique et des chemins ruraux. Et enfin, 8 mètres au traversée des routes nationales et voies ferrées. Ce sont les distances de sécurité. Oui. Donc, comme exemple d'hypothèse environnementale, nous avons pris l'exemple d'un de nos projets dont le nom du site est Mandialaz, qui se trouve dans la région, à l'Otjamangour, Madagascar. Et dans ce projet, la température minimale est 11 degrés C, la température moyenne est 25 degrés C, la température maximale est 27 degrés C, et la vitesse de vent moyenne est 5 km à l'heure, la vitesse de vent maximale est 5,5 km à l'heure, et la vitesse cyclonique que je viens de dire tout à l'heure a une vitesse de 200 km à l'heure, un cyclone qui a passé en 1984. Donc ça, c'est un exemple d'hypothèse environnementale. En ce qui concerne les structures utilisées, habituellement, on utilise ici le lest d'ancrage, la nappe voûte d'alignement, la nappe voûte d'arrêt ou d'ancrage, la nappe voûte rigide et les portiques 4 ou 5 mètres. Ces structures-là sont utilisées habituellement dans les domaines des électrifications rurales et on en utilise aussi pour des transports, même dans les électrifications urbaines. On utilise les isolateurs rigides, VHT 20 ou 22T, et puis les isolateurs suspendus, AL2 ou AL3. Donc le AL2 veut dire trois isolateurs suspendus à deux éléments et AL3 isolateurs suspendus à trois éléments. Et puis le AN2 ou AN3, ce sont des AL veut dire alignement. Ici des poteaux habituellement utilisés dans les domaines des électrifications rurales. Donc les poteaux béton armés 12 mètres par 1000 décaniutons sont utilisés pour les supports des transformateurs et les bétons armés de 12 mètres 800 décaniutons pour les interrupteurs à commande manuelle et les poteaux bois 12 mètres 305 décaniutons pour les structures et puis il y a aussi les 12 mètres par 200 décaniutons pour les structures aussi. Mais cela dépend du trajet, le 200 décanutons sont utilisés pour les alignements et les 305 décanutons sont utilisés pour les sangles ou ancrages. Les conducteurs pour les lignes moyenne tension, on utilise ici le 34,4 mm² et le 54,6 mm². Ce sont donc des câble à nu, un alliage d'aluminium. Ça, c'est pour
les installations à moyenne tension. Et pour les réseaux BT, on utilise, pour les lignes principales, on utilise les 5 mm carrés avec le neutre porteur et le conducteur d'éclairage public, un fois 6 carrés. Et puis le 3 x 35 mm carrés, et puis le 3 x 50 carrés, puis le 3 x 70 carrés. Et pour les lignes de branchement, on utilise le 2 x 6 carrés ou bien le 4 x 6 carrés. Ce sont les câbles qu'on utilise en réseau basse tension. C'est L'éclairage quoi? public, on utilise le 1 x 16. Donc on a un câble pour ce type de câble là, on a un câble torse. On a un câble qu'on dit préassemblé. Donc dans ce câble préassemblé, on a le principal qui alimente les phases, les trois fois là. Et puis le neutre, c'est le 1 fois 54,6 mm carré. Et l'éclairage public, le 1 fois 16 mm carré. En électrification rurale, donc vu la taille ou la puissance à transiter et la longueur des lignes à installer, les câbles de garde ne sont pas fortement recommandés. Mais cependant, il faut des protections contre les foudres et les éclats sur les lignes. Oui, par rapport à nos expériences, du côté géographique, les difficultés que nous avons rencontrées sont plus importantes dans les réalisations des travaux de construction, installation et exploitation, lorsque la distance géographique séparant les sites d'électrification et le siège social importante, en ne parlant que des acheminements, des matériels et personnels. Donc, pour cela, il faut une bonne organisation et un système de suivi et contrôle très efficace lors de l'exécution des travaux et aussi de l'exploitation. Il y a la distance géographique, je veux dire le kilométrage qui s'impose entre le siège et le site, mais il y a aussi la difficulté sur les accès. Du côté environnemental, bien que les bureaux d'études qui font l'étude des projets veillent au maximum à ne pas traverser les tracés sur des zones sensibles au champ des cultures. Parfois, quelques portions y passent afin d'avoir des raccourcis. Donc, pour y remédier à ceci, il faut des discussions, négociations et compensations avec les propriétaires des terrains ou avec les autorités locales. La compensation, un exemple de compensation peut être pris comme une négociation ou discussion entre l'opérateur et le propriétaire du terrain en calculant par exemple la surface des terrains occupés ou bien la production. L'opérateur pourrait donner de l'argent qui est bien calculé sur la base de la production sur le terrain occupé. On a déjà eu ce problème-là, mais tout au début, il faut en parler avec les autorités locales. Donc, tout est concerné lorsque les autorités locales aussi sont concernées. Et c'est là que la discussion devrait avoir lieu. Facilite et aide à la résolution de ce problème-là. Intérêt public, oui, c'est ça qu'on appelle l'intérêt public. En fait, le problème qui est lié à la socio-économie, vis-à-vis, par rapport à l'électrification rurale,
C'est que parfois, des petits villages se situant à proximité du passage des lignes moyenne tension ne sont pas électrifiés, dû aux effectifs ou bien nombre de populations dans ce village-là, qui ne sont pas suffisants pour se permettre d'utiliser un transformateur, d'une part, et de ne pas avoir des moyens financiers suffisants pour le raccordement au réseau et à l'abonnement. D'après nos expériences, pour ces particulièrement ces villages-là, donc il y a des discussions aussi à faire auprès du porteur de projet et de nous qui sont l'exploitant. L'exemple, je dirais, récent est donc le cas du site hydroélectrique de Mandialaz dans la région à l'autre Mangour et sur la partie est de Madagascar. Donc, dans cet exemple-là d'études mécaniques-là, nous avons fait des levées topographiques sur site, sur le long des lignes. Et on a les données sur ces levées topographiques-là. Et puis, en se servant de ces données, on a entré dans le logiciel DeltaCAD. Et puis, on a eu le vue en plan de l'INMT. Et puis, le profil en long. Et enfin, les résultats. En fait, le projet a une puissance de 100 kW, projet d'hydroélectricité. On parle ici alors de Pico Centrale Hydroélectrique de 200 kW. Et cette centrale-là a pour objet d'alimenter trois localités, dont l'une, c'est le chef-lieu d'une commune qui est dite Mandialaz. Et puis, il y a deux autres villages alimentés par ce projet même. Fierenne, les noms des deux villages sont Fierenne et Antièvre. Donc, on a trois localités. L'une, c'est le chef-lieu de la commune qui est dite Mandialaz. Et le deuxième village s'appelle Fierenne. Et le troisième village s'appelle Antièvre. Donc, la situation actuelle, c'est que les études que nous avons faites sont en cours d'évaluation. On nous a envoyé les commentaires et puis nous avons déjà rendu les éléments de réponse à ces commentaires-là. Et on est en attente actuellement. La raison pour laquelle on a ces laps de temps-là, c'est que il y a aussi les bailleurs de fonds qui font leur évaluation, par exemple, ou des analyses. Et cela ne dépend pas seulement de nous, mais il y a aussi les acteurs, tous les acteurs ont leur, je dirais, leur retard pour l'analyse ou l'évaluation. Il y a les bailleurs de fonds, il y a pour ce projet-là, il y a le CEAS de la Suisse, il y a l'ONUTI, il y a la Terre et nous, et aussi la commune rurale bénéficiaire. CEAS, donc, c'est une institution de la Suisse qui travaille, qui a aussi une branche ici à Madagascar, CEAS. Donc, il fait partie des bailleurs de fonds pour ce projet-là. Et puis, il y a aussi l'ONUDI, ONUDI, l'ONUDI. Il y a la Terre. La Terre, c'est l'agence pour le développement des électrifications rurales à Madagascar. Donc, la Terre, c'est une institution rattachés au ministère de l'Énergie. Par exemple, le CAS et l'ONUTI, ils font partie des bailleurs de fonds, des cofinanceurs du projet.
En fait, pour nous aussi, c'était un plaisir de travailler avec vous. Et nous espérons que notre collaboration va durer longtemps. Et que nous souhaitons aussi avoir un projet à réaliser ensemble. Et pourquoi pas? Et nous vous souhaitons une bonne réussite dans ce que vous allez faire. Et puis, surtout sur le logiciel là, DLTCAD, là, on espère que ça va développer de toujours. Donde nos dice que todo proyecto nace con respuesta.